Et oui, TouchFan TV de retour avec une vidéo donc, du coup de fabricant qu'on vous a teasé il n'y a pas longtemps et on a déjà reçu une première pièce qu'on va pouvoir vous exposer, vous faites une review complète qui est donc Jordan. Le Rouge Rangers de chez XM Studio. Enfin, le voici, le voilà. Première chose que je vais quand même préciser, c'est limité à 300 exemplaires. Seulement 300 exemplaires. C'est du pied ici donc du coup de chez XM Studio, on le répète. C'est du format 1/4. Je m'abuse. Exactement. C'est juste. Ici, donc, du coup, c'est la boîte qui est déjà très très belle, simple. On voit XM Studio sur le côté et Power Rangers de chaque face, on va dire, du produit. Ouais. Ça fait très valise professionnelle, ça j'aime bien. C'est très sobre, mais c'est très professionnel, c'est très propre. Très beau packaging pour ma part. Voilà. Et donc, du coup, une fois que vous ouvrez la boîte, vous êtes sur le produit. Mais avant de tomber sur le produit, vous avez deux éléments importants et qui ne sont pas négligeables. Je trouve ça super bien. Alors, franchement, il y a encore des gens qui ont oublié de mettre ici, en premier, vous avez un petit dépliant, donc avec XM Collectibles, etc., qui met que c'est eux qui le font. Et une fois que vous l'ouvrez, hyper pratique, déjà le descriptif du produit qui est dans la frigolite. Comme ça, si vous voulez vouloir emballer, vous savez où mettre vos pièces exactement à leur place. Super malin. Première photo ici, du coup, de la version armure dragon du Ranger rouge. Et derrière, la photo du pour Ranger rouge, mais classique, qui est donc compris dans la boîte. Vous n'avez plus qu'à changer des pièces. Super intelligent de leur part. Petit dépliant en carton, franchement. Et puis vous avez une enveloppe, vous dites c'est pour envoyer à la poste si on a un problème. Et bien non, pas du tout. C'est en fait un produit comme Iron Studio l'a fait pour le Diorama Jurassic Park de la scène avec T-Rex. Voilà, donc en fait, c'est une affiche cartonnée avec XM, Hasbro, qui a donc les droits de distribution de Power Rangers, et une belle image avec un effet de lave et très sombre du Power Rangers classique, offert avec, compris dans la boîte. Franchement, voilà, c'est très belle illustration, et ils se foutent pas de notre gueule. Non. Et du coup, on va vous montrer le produit en détail dès maintenant. Donc ici, on se retrouve pour la présentation en détail. Donc on va commencer par le dessus du corps, comme d'habitude. Donc ici, vous pourrez voir au niveau de la réalisation, au niveau du peigne, du casque, il n'y a rien à redire. C'est super bien fait. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis une autre façon de peindre le casque. C'est plus brillant pour vraiment avoir le côté casque. C'est super bien réalisé, franchement, que par rapport à la tenue qui est plus mate et qui fait un peu plus costume que casque. Ouais, ici il y a vraiment un super beau rendu au niveau du même la texture, c'est un peu plus lisse pour le casque. Après vous avez donc du coup ici on présente d'abord l'armure dragon du coup avec le côté épaulière etc qui se fixe en au-dessus de la statue de base. Les deux bras ici donc sont avec les brassards dorés. Vous avez les avant-bras et puis vous avez donc du coup la dague et l'épée dans chaque côté. Notez que tout est en résine à part les ustensiles qui sont en plastique. C'est ça la différence majeure. Ils ont décidé de la mettre en plastique pour éviter tout casse durant le transport. Ils avaient trop peur que ça casse durant le transport. C'est un choix de leur part. Je peux le comprendre, mais je trouve ça un peu dommage pour ma part. Maintenant, au niveau de la réalisation, il n'y a rien à dire non plus sur les deux épées. Très belle. Et l'épée. Franchement, c'est super bien réalisé. Puis ensuite, au niveau. Revenir sur le côté doré, donc les épaulières dorées. Parfait, rien à redire dessus non plus. Pas une bavure, pas un problème de peinture, pas une coulure. Ensuite, au niveau des abdominaux, etc., bah déjà c'est très bien tracé au niveau de la sculpture. Vous avez du coup la ceinture, forcément, avec ici le logo bien connu du Ranger rouge. Vous avez après ce holster que vous retrouvez ici avec le fusil qu'on peut enlever. Puisqu'il a une main avec un fusil, on peut le mettre, du coup, il faut l'enlever s'il le prend dans sa main. Ce qui est bien, et on va vous montrer après, c'est qu'il y a justement plusieurs façons de le mettre. Et qui a été très bien pensé de la part du XM Studio parce que on avait présenté un Pop Culture Shock et du coup on a le comparatif. Voilà, c'était différent et on en reparlera plus tard. Mais comme tu as dit, au niveau du. Il est bien tracé au niveau des muscles et tout. Ils ont joué sur la peinture. Ils ont donné aussi au niveau de plusieurs endroits. Donc le plan, c'est une certaine façon de faire. Puis ensuite sur le côté, il y a une autre matière. Ils ont voulu donner une autre matière, un autre rendu. Même au niveau des bottes, ici vous pouvez marquer du coup qu'il y a ce blanc, comme dit Jordan, un peu différent. La salissure, ils y ont pensé. Il y a des traces de boue, des traces vraiment d'usure sur les chaussures. Et ensuite, vous avez du coup le socle qui est très important parce qu'ici vous voyez qu'il représente du coup le logo du Rangers sculpté dans la pierre.
avec un côté un peu volcanique, abîmé, vraiment une très très bonne idée de la fabrication. Côté franchement rendu, super bien. J'aurais juste voulu peut-être, pour donner un côté encore plus volcanique, mais ça c'est mon envie personnelle, peut-être une petite LED, quelque chose de faible, pas trop puissant, mais qui donne, tu vois, le côté vraiment volcanique. Ouais, ça c'est peut-être la seule chose qu'on peut critiquer. Alors non, j'ai directement compromis avec la version, on va dire, Red Rangers classique. Donc vous remarquez qu'on a enlevé tout ce qui était doré, autant des avant-bras que du niveau du thorax et épaulière, il n'y a plus rien du tout. C'était facile, et puis il y a juste enlevé la tête et en changer les bras. Le bras donc de son bras droit à lui comporte du coup l'épée. L'épée ici, en fait, vous savez simplement enlever le pad de l'épée et la lame, et ça se remboîte. C'est vraiment bêtement du PVC qui s'emboîte facilement, donc très facile à prendre en main. Vous marquez juste du coup qu'il n'y a pas de serrage, vous pouvez un peu la bouger comme vous souhaitez. Sur le bras gauche, vous avez donc le fusil, qui lui est très très bien réalisé, et vous remarquez justement qu'ils l'ont. Donc celui qui est dans le holster est fermé et celui qui est dans sa main est ouvert. Oui, très belle réalisation, comme tu pouvais dire. Très beau travail de peinture, de tout. Juste dommage que, comme on a dit tout à l'heure, que la lame soit en PVC. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un choix artistique. Et un choix pour ne pas avoir de casse durant le transport. Mais voilà, et ce qui est cool, c'est qu'on puisse avoir le Ranger normal et en mode... Dragon Armor. Dragon Armor, merci, j'avais déjà oublié. Voilà, franchement, très belle pièce. Rien à redire. Voilà, donc vous avez pu voir la statue dans toute sa splendeur, en détail. Vraiment un produit sublime, comme on a pu vous le démontrer. D'une échelle, donc un quart. Il y a vraiment du détail de ces statues, beaucoup de travail, on va dire, au niveau du texture, de la peinture. Cette usure qu'il y a eu, etc., est vraiment sublime. Franchement, très très beau. Et voilà. Franchement, très beau, ouais. Très belle réalisation. Que 300 exemplaires, c'est pas un gros tirage. Ici, on a eu reçu le numéro 46 par exemple. On a eu un tout petit numéro, super cool. Et super. Ouais, ça fait super plaisir. Donc, on rappelle la statue en elle-même ici, donc il y a deux paires de bras. Vous avez donc ici le Ranger classique, Red Rangers. Vous avez donc du coup le fusil qui peut se mettre dans le holster très facilement. Ensuite, du coup, vous pouvez changer les bras et monter. Donc ça, c'est ici, vous avez le moyen d'enlever du coup le bras droit, hop, avec l'épée, et de prendre donc l'autre bras droit qui a eu avec la dague que vous fixez, hop, premier coup. Franchement, c'est hyper simple. Pareil, bras gauche, hop, vous l'enlevez, vous le changez, et vous remarquez justement qu'à ce moment-là, ces deux bras-là ont ces deux brassards dorés. Ensuite, vous enlevez la tête. Vous mettez ici, hop, facilement l'armure du dragon. Et alors, par contre, les seules choses un peu plus compliquées à mettre, un peu plus casse-tête, ce sont les deux lanières du côté. Je sais, Joanne m'a dit que c'était assez dur à mettre chez les youtubeurs américains. Oui, oui, parce que j'avais regardé des reviews avant, américains. Ils avaient plutôt compliqué à mettre, mais toi, bah, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de souci. En fait, c'est pas que c'est pas facile à fixer, c'est vrai qu'on a plus peur de le plier et de le casser. Voilà, hop, et voilà, c'est dedans. Après, il faut un peu le régler chez vous, etc. Moi, si je l'avoue, je l'ai un peu moins bien mis, voilà, je pense que... Eh ben, je rejoins mes collègues américains, c'est un peu plus compliqué à mettre, même du côté, de l'autre côté de l'océan, voilà. Et du coup, comme je vous expliquais, l'épée ici peut s'enlever de la main, hop. Vous l'avez du coup en deux parties, ok, et ensuite, tout simplement, vous venez l'emboîter, hop, et voilà, tout est joué. Vous avez du coup le changement d'armure super facile, il vous reste des deux pièces là à remettre dans la boîte, franchement très classe. Voilà, Benjamin, du coup, toi qui étais super impatient, qu'est-ce que tu en penses de notre première pièce XM Studio pour Toysmade TV? Alors, première fois que on voit vraiment un produit, en tout cas pour notre part, très beau produit, rien à dire, ce que j'ai pu entendre du studio s'avère pour ici exact. Très belle finition, produit limité, sens du détail, personnellement je le ressens. Ils ont pensé à tout pour moi. On vous a présenté la pop culture shop Green Ranger. Elle était bien, mais on avait pointé certains détails qui n'allaient pas. Ouais. Entre autres, le fait que quand on enlevait le plastron, les épaulières, il y avait les pegs, on ne pouvait pas le poser en mode normal, ouais. En mode classique. Ici, ils ont pensé, il n'y a pas de pegs, c'est un truc aimanté, ça se glisse tout seul. Donc,
Il y a quand même trois façons de l'exposer, c'est vraiment bien. Je préfère ce socle-ci que la pop culture, aussi. Puis voilà, c'est plus limité, je trouve le travail mieux fini. Un très beau travail, j'adore tout ce qui est Power Rangers. Ouais. Surtout ici le Red Rangers. Ah, c'est classique. Mais voilà, la pièce est sublime. Moi, voilà, par le fait que j'aurais rajouté des LED pour donner le côté vraiment maintenant en fusion, et le fait que la lame est en PVC, malheureusement, mais c'est des choix que je peux comprendre aussi. Ils ne veulent pas que ça arrive cassé, éviter des retours. Le prix n'est pas exorbitant, oui, pour 300 exemplaires. Voilà, ici, on a un prix plus ou moins entre 950 et 1150 € plus ou moins. Et aux États-Unis, c'est plus ou moins 1000 $ ou 980 $. Nous, on la touche plus ou moins dans un peu plus de 1000 €, un petit peu moins, tout dépend le XM, etc. Mais voilà, XM Studio, c'est la première pièce qu'on a de chez eux. On a un contact vraiment fiable qu'on a depuis quelques semaines. Dès qu'on a travaillé avec eux, ils ont dit écoutez, voilà, on peut vous envoyer des pièces dès que vous les payez, etc. On a déjà des commandes clients. On remercie justement nos clients qui a commandé Express et Red Rangers en plein confinement, qu'on peut du coup lui livrer, mais en plus, lui l'exposer à tout le monde. Merci énormément à lui, il se reconnaîtra. Merci. Voilà, il nous a permis de la déballer, de la montrer à tout le monde. Bien sûr, elle s'est mise après en magasin à l'exposition, mais là, comme le magasin est fermé, on va pas acheter des pièces pour les mettre dans un hangar, c'est un peu stupide. Voilà, bravo XM, franchement, moi ici, je suis très content du produit. Quelques petits détails, voilà, par exemple, le fait que, c'est ici, je ne peux pas le savoir, mais la pièce s'enfonce à 99%, il y a tout petit jeu, c'est pas grave, hein, c'est pas la mort, mais voilà. Et voilà, en général, par contre, le reste c'est bon. Et ce petit détail du socle, c'est le socle est vraiment bien, mais avec un petit jeu de lumière ou alors un bout de son ordre, etc., ça aurait été pas mal. Mais voilà, sinon, voilà. Donc, du coup, je donne un 9,5 sur 10. Parce que voilà, j'adore à fond, mais tout petit détail, mais 9,5 sur 10 pour moi, pour le Rangers vert de chez Rangers rouge, pardon, de XM Studio. Et toi, Jordan? Pour ma part, je pense que je vais dire d'abord ce que je t'ai dit avant qu'on fasse la réunion. Moi, j'aurais mis un 20 sur 10. Mais bon, non, pour être honnête, un 10 sur 10. Pourquoi? C'est parfait. À part le PVC, c'est parfait. C'est une pièce qui dégage quelque chose. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas de visage avec l'expression ou quoi, mais on sent la bataille, comme tu m'avais dit. On sent qu'il est en mode action, s'il va péter la gueule à quelqu'un, à un ennemi. Alors, franchement, c'est bien. Et en plus, pour Rangers, à part Pop Culture Shock et XM Studio, en résine, en tout cas, les personnages même, il n'y a personne. Voilà. On attend bientôt des contacts de Camille Art pour avoir la version du Megazord en un quart. Donc, vous la présenterez également dès qu'on la recevra. Mais voilà, ici vous remarquez que dès qu'on peut avoir des pièces chez eux, on les présente, de tous les fabricants, de toutes les licences. Et voilà, donc c'était le premier pour nous, les XM Studios, donc du coup, sont en vente, tout le catalogue est en vente chez nous actuellement. Ces précommandes ont été lancées il y a une semaine, hein, j'ai eu pas mal de précommandes, on vous en remercie. Et donc si vous voyez cette vidéo, vous êtes intéressé par les XM Studios, autre que pour Rangers, Marvel, DC, les Transformers et Star Wars, c'est notre histoire, mais voilà, mais vous aurez du coup le contact du magasin sur le descriptif de la vidéo ou même sur la page Facebook, TSM Liège, etc. ou en commentaire, n'hésitez pas, on est là présent pour vous, on fait des envois et comme vous voyez, on a du XM Studio chez TSM. Voilà. Et bien sur ces belles paroles, on vous dit un grand merci. Si vous aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, c'est le plus important, c'est super cool. Voilà, on a beaucoup monté en chaîne et on est super content. Et sachez que votre soutien amène pas mal de bons partenariats. On vient d'avoir un bon partenariat secret pour l'instant avec un fabricant qui a donné des pièces à l'avance, etc. Et une exclusivité qui, grâce aux abonnés qu'on a ça, donc merci à vous de regarder cette vidéo et de vous abonner. C'est grâce à vous et on va pouvoir montrer exclusivement à vous en premier. Ça va être génial. Voilà. On est très heureux d'avoir fait cela et à très bientôt. Voilà, à la prochaine.